Le 4 août 1914, l'Angleterre va déclarer la guerre à l'Allemagne et ça va donner lieu à la Première Guerre mondiale. Le Canada va encourager, soutenir le pays allié, l'Angleterre, en envoyant des troupes à l'étranger. Également, le gouvernement canadien va procéder à l'enregistrement obligatoire de plusieurs individus jugés potentiellement dangereux pour la sécurité du pays. Le gouvernement canadien va également interner plus de 8500 individus dans 24 camps répartis à travers tout le Canada. Pour superviser les opérations d'internement, on va faire appel à un militaire d'expérience, le major général William Hotter. Pour sa part, le Québec va accueillir 4 camps, celui de Valcartier, Beauport, Montréal et Spirit Lake. Le camp de Spirit Lake a d'ailleurs été aménagé sur le terrain ici. Le camp de Spirit Lake est un véritable camp de détention. Ça ressemble en fait à un village ceinturé d'une haute clôture barbelée. Ce camp-là va accueillir une dizaine de dortoirs qui peuvent compter jusqu'à une centaine d'individus chacun. Il y a plusieurs raisons qui ont motivé le gouvernement canadien à établir un camp Spirit Lake. La première d'entre elles, c'est que le gouvernement québécois a octroyé 1200 acres de terrain au gouvernement canadien pour établir un camp à Spirit Lake. Ensuite, le chemin de fer transcontinental traversait ce secteur. Ça pouvait faciliter, d'une certaine façon, l'approvisionnement du camp et le transport des individus. Aussi, Spirit Lake étant situé loin des centres urbains du pays, ça pouvait contrer les évasions, diminuer en tout cas le risque d'évasion, toujours possible quand tu as un camp de détention. Puis aussi, et enfin, la plus formidable des raisons, la plus intéressante, c'est bien celle que la Chambre de commerce d'Amos, avec en tête Hector Routier, une figure emblématique de l'histoire régionale, ont exercé des pressions sur le gouvernement canadien pour que le camp soit établi à Spirit Lake, qui est en fait situé seulement à 8 km d'Amos. À ce moment-là, c'est-à-dire aux alentours de 1915, la région d'Amos souffre beaucoup économiquement de l'essoufflement de la colonisation. Donc, les pressions de la Chambre de commerce ont conduit à la construction d'un camp de détention à Spirit Lake et devait permettre de relancer l'économie amossoise qui souffrait beaucoup à ce moment-là. En janvier 1915, un premier contingent de 109 prisonniers va arriver à Spirit Lake. De son ouverture à sa fermeture, le camp de Spirit Lake va abriter à peu près 1200 prisonniers de guerre. Les hommes vont devoir travailler à drainer le terrain, l'égoutter et à défricher. Ils vont travailler 10 heures par jour sous la supervision de gardes armés. Également, ces hommes-là vont devoir construire les baraquements qu'ils vont habiter et faire les réparations aux bâtiments nécessaires. En fait, selon la Convention de la Haye, les hommes détenus doivent assurer leur subsistance. En ce sens-là, le camp de Spirit Lake a respecté la Convention de la Haye. Plus concrètement, à Spirit Lake, les hommes ont défriché et essouché 500 acres de terrain. À part les travaux forestiers et agricoles, les hommes pouvaient s'occuper à d'autres activités. En fait, dans l'enceinte clôturée barbelée, on trouvait différents ateliers, comme un atelier de tailleur, un atelier de vannerie, une forge, une boulangerie, des cuisines, en fait, un paquet de petits ateliers pour occuper les hommes. Mais la vocation agricole à Spirit Lake était la plus importante. C'était l'un des deux seuls camps, parmi les 24 camps au Canada, qui avait une vocation agricole, avec celui de Kapuskasing. D'ailleurs, derrière moi, la grange étable que vous pouvez voir est le dernier vestige, la dernière trace de l'occupation par des détenus ici. Ça a été construit, cette grange étable-là, par des détenus de Spirit Lake. Également, le camp de Spirit Lake a hébergé, accueilli des familles. Ces familles-là, avec les enfants, ne demeuraient pas dans l'enceinte clôturée. On avait aménagé des petits camps à bois ronds construits par les prisonniers pour héberger les familles. Les pères de famille n'avaient pas à travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine à 25 cents de l'heure. Ils devaient seulement s'occuper à assurer la subsistance de leur famille. Au plan démographique, dans ces moments forts, le camp de Spirit Lake a compté à peu près 1200 prisonniers. Ça correspondait à peu près à 85 % de toutes les personnes arrêtées sur le territoire québécois lors de la Première Guerre mondiale. Ces immigrants-là étaient d'origine ethnique différente. On trouvait à 90 %
des Ukrainiens, et l'autre 10 % était principalement composé d'Allemands, de Bulgares et de Turcs. À partir de 1916, la grande entreprise canadienne commence à souffrir d'un problème de main-d'œuvre. À ce moment-là, on va faire appel à cette main-d'œuvre détenue-là pour combler cette pénurie. Donc, à partir de 1916, le camp de Spirit Lake s'est graduellement vidé de tous ses effectifs et ça marquait la fin du camp de détention de Spirit Lake. Pour parler des conditions d'internement, les vivres étaient principalement achetées à Amos. Ce sont les détenus qui visaient la cuisine afin de respecter les traditions culinaires des divers groupes ethniques en présence. Les prisonniers se sont souvent plaints de manger trop souvent de choux, que la viande était parfois avariée, les légumes et les fruits pas frais et pas assez variés. Au plan sanitaire, les baraquements faisaient l'objet d'une inspection quotidienne, tant par les détenus que par les gardes. Pour ce qui est de la santé, il y avait un hôpital construit à proximité de l'enceinte clôturée. Et puis, les principaux maux dont souffraient les prisonniers, c'était surtout les hernies et les maux de dents. Par contre, quelques cas de folie sont également apparus, mais il demeure que les principales causes de décès à Spirit Lake furent la tuberculose et la mort infantile. Pour occuper leur temps libre, et plus particulièrement le dimanche, les détenus pouvaient se donner à différents loisirs. L'été, les hommes jouaient principalement au tennis, au baseball, au soccer. Et pour ce qui est de l'hiver, on avait aménagé une sorte de petit gymnase à l'intérieur de ce qu'allait devenir la future grange étable. Un autre loisir privilégié, c'était la lecture des journaux et des magazines. Il y avait également une cantine où on pouvait se procurer différentes douceurs comme des friandises, du tabac et différents produits de luxe comme des plumes, de l'encre, du papier. Il était strictement interdit de boire toute forme d'alcool à Spirit Lake. Par contre, les prisonniers ont tenté à quelques reprises de se fabriquer de l'alcool artisanal. À ce moment-là, les gardiens ont dû sévir. En avril 1915, un Ukrainien du nom d'Ivan Gregoroskouk s'est évadé du camp de Spirit Lake. Lors de sa fuite, il a emprunté la voie ferrée, ce qui l'a conduit près d'un petit village abitibien du nom de Colombourg. Là, il a été repéré par un habitant qui, le voyant gesticuler et parler une langue étrangère, il a pris peur, puis l'a abattu de 2 balles. Il y a eu à peu près une 50aine d'évasions à Spirit Lake. La plupart des détenus sont revenus de leur propre chef à cause de la sévérité du climat, la méconnaissance du terrain, les grandes étendues de forêt inhospitalières et également les bataillons de mouches noires. Plusieurs détenus ont manifesté le besoin de pratiquer leur religion. La plupart des détenus étaient de confession orthodoxe. Au début, en 1915, tout allait bien parce qu'il y avait un prêtre roumain incarcéré avec eux. Par contre, celui-ci a été vite relâché. Par la suite, il a fallu que ce soit l'Église ukrainienne qui prenne les choses en main. Puis, cette église-là a assuré des services religieux sur une base plus ou moins régulière. On dénombrait une 100aine de détenus de confession catholique romaine. Pour leur part, c'est l'église d'Amos, catholique, qui assurait de leur donner des services religieux. On dénombrait également quelques détenus de confession protestante et musulmane, mais on n'a pas de chiffre exact sur leur nombre. Il y a eu 17 baptêmes à Spirit Lake, 15 enfants de soldats, 2 enfants de prisonniers. Il y a eu également 2 mariages, exclusivement de soldats, puis il y a eu aussi 22 morts. 19 personnes ont été enterrées dans un cimetière à l'écart du camp de Spirit Lake. Les immigrants qui ont été détenus au camp de Spirit Lake, comme partout ailleurs au Canada, n'étaient aucunement des criminels. D'ailleurs, le major général William Otter le spécifie dans son rapport à la fin des opérations militaires. Ces gens-là avaient commis seulement un crime, qui n'en était pas un en fait, c'est celui d'être sans emploi. D'ailleurs, les municipalités ont participé activement à l'identification des sans-emploi. En enfermant des détenus dans des camps de détention, le gouvernement canadien venait en fait
de créer une nouvelle formule de création d'emplois. Le camp de Spirit Lake a été nommé ainsi en raison d'une fable amérindienne. Il y a plusieurs années, avant même l'ouverture du camp de Spirit Lake, des Amérindiens avaient vu tomber une grosse boule de feu sur le lac qui était proche du camp, et puis ils croyaient que c'était l'œuvre d'esprit. À cause de ça, on appelait ça le lac aux esprits, ce qui est devenu ensuite, en anglais, Spirit Lake. Parlant d'esprit, il était plutôt agité au Canada lors de la Première Guerre mondiale. Un sentiment xénophobe faisait rage. Le gouvernement canadien, en internant plusieurs immigrants, s'est permis d'apaiser un tant soit peu les esprits. Par contre, un peu plus tard, avant même que la guerre se finisse, il a fallu que le gouvernement canadien revienne sur sa position à cause des besoins criants de main-d'œuvre de l'entreprise canadienne. Pour ce qui est des conditions d'internement, eh bien, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on voyait dans les camps de bûcherons qui existaient déjà au Témiscamingue. Par contre, il faut ajouter à ça la privation de liberté. Privation de liberté qui est un facteur psychologique important, non négligeable, ce qui a conduit d'ailleurs à quelques cas de folie. En plus, eh bien, des militaires plus zélés ont infligé des sévices corporels à plusieurs détenus. Ça existait, ça, à Spirit Lake. En fait, ce qu'il faut se rappeler de Spirit Lake, c'est qu'en temps de crise, en temps de guerre, notre système démocratique est très fragile. Et Spirit Lake en est l'expression.